Bonjour à tous, c'est Bérangère pour la chaîne Event 6 Scrap. Aujourd'hui, je vais vous présenter un échange que j'ai réalisé avec Joël sur mon groupe Facebook. Et du coup, donc le thème, c'était un flipbook décalé avec des enveloppes et des paper bags craft. Du coup, il fallait utiliser de tout, en fait. Du tissu, du papier, des stickers, des étiquettes, des tamponnages, tout ce qu'il y avait, ce qu'on peut recevoir des copines, ce qu'on a des fois dans un côté ou qu'on ne s'en sert pas trop, bah hop, c'était le moment de s'en servir et faire vraiment des images un peu disloquées, un peu du gros n'importe quoi en fait. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Et franchement, moi, je me suis bien amusée. Donc, vous verrez ma création en deuxième partie. Je vous fais d'abord voir celle de Joël que j'ai réceptionnée aujourd'hui même. Donc, voilà ce que Joël m'a fait. Donc, elle m'a fait un joli flipbook relié avec une dentelle. Donc, avec, comme vous pouvez voir, hein, donc Die Cut, elle a vraiment utilisé plein de bricoles et j'adore. Voilà, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et là, en plus, elle a cousu. C'est tellement beau ce qu'elle a fait. Elle a cousu, mais alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais franchement, regardez le point. Et c'est cousu, hein, c'est de la couture. C'est tellement joli. Merci beaucoup, Joël. C'est rien que de voir la première page, c'est super joli. Alors, on y va. Alors, donc, dans la première page, donc vous voyez, elle y a mis du tissu et de la dentelle. Et donc, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, un petit coucou. Un message de Joël. J'espère que ça te plaira, mais naturellement que ça me plaira. Oh, trop bien. Dans la première, nous avons des petits dice cuts. Donc, des gourmandises, des petits mots. Oh, j'adore la petite pomme d'amour. Voilà, une petite fée. Voilà, plein de petites étiquettes. Donc ça, on pourra s'en servir dans un prochain. Hop. Ensuite, deuxième page. Donc là, elle y a mis des petits tamponnages. Et là, elle y a mis une petite poupette que j'aime bien, cette petite poupette-là aussi. Girl Power. Et donc, à l'intérieur, nous avons... Alors, on a... un petit tag comme ça, hop, un petit tag comme ça avec des choses à l'intérieur, hop, je mets sur le côté. Là, on a des petits morceaux de papier, donc une carte, une petite chouette, voilà, un tamponnage rose. Et là, oh, c'est mignon ça. Donc ça, c'est une petite, elle a cousu en fait. Un petit truc, et là à l'intérieur elle y a mis une petite étiquette, donc je le remettrai tout à l'heure et donc je vais remettre dedans. Hop, ensuite on tourne la page. Donc là il y a mis un petit chose en 3D, vous savez, de peut-être de chez Action. Et là donc elle y a fait un joli tamponnage bouquet. Et à l'intérieur de la pochette, hein, il y a deux choses. Alors on a plein de découpes papillons de toutes les couleurs, donc du noir et blanc, du vert, du rose, voilà, de l'écriture. Ça, c'est chouette. Pour faire le art journal, c'est génial. Merci beaucoup. Et donc, dans l'autre pochette, parce que chaque jour compte, avec la petite libellule qui est trop mignonne, qu'on avait trouvée chez Cultura à un moment donné, je la trouve tellement belle. Et donc, plein de bricoles aussi à l'intérieur. Voilà, des dice cuts, des petites étiquettes, voilà. Plein de bricoles, des stickers à partager avec des écritures confectionnées. Voilà, des petites choses en français. Donc ça, c'est génial. Moi, j'aime bien. Hop. Ensuite, hein, elle a fait beaucoup de pages, Joël. Ensuite, donc là, elle a utilisé des morceaux de papier avec... elle a mis des plumes et un morceau de washi qui colle là. Là, pareil, elle a mis une petite chouette avec plein de morceaux de papier. Et donc, à l'intérieur, donc smile. Et donc là, encore plein de petites étiquettes. Donc, merci d'être toi. Là, on a des trop mignonnes. Elles sont trop choupies. Des petites chouettes. Hop. Une petite chose en bois. Un petit trombone.
Donc on a des petits tamponnages. Là. Donc je remets dedans. Hop et hop. Ensuite, donc, là il y a un petit trombone qui a dû se barrer. Trop mignon le petit trombone d'ailleurs, avec la petite fleur. Donc de jolies roses, de jolis tamponnages. C'est très beau, ils sont très jolis ces fleurs-là. Et donc à l'intérieur, encore des petites étiquettes. Donc on a un petit renard, des bingos et des petites choses plutôt vintage, hein, en bois. Voilà, hop. Ensuite, donc, des plumes. Ça, c'est des plumes, des grandes plumes qu'on avait eues chez Action. À un moment donné, il y avait des fleurs aussi. Là, elle a mis un Kakatoès Smile. Et donc là, c'est peut-être la carte. Et enfin, donc, Thank You, avec de jolies fleurs aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de fleurs. Voilà. Et donc là, elle a mis donc un papillon, une fleur, Enjoy Every Moment. Et effectivement, c'est sa petite carte. Donc voilà le flipbook décalé de Joël. Hop, comment il se présente. Elle m'avait mis autre chose à l'intérieur dans un petit paquet comme ça. Je n'ai pas du tout ouvert. On va ouvrir ça ensemble. Oh, trop sympa. Elle n'a pas pu le mettre, je pense, dans les petites pochettes. Du coup, elle m'a fait un petit truc à part. Et ce sont plein de petites chutes de dentelles. Donc très joli. Celui-là, j'aime beaucoup. Donc là, c'est un petit peu plus gros. Des fleurs. Alors ça, j'adore. Celle-là est très jolie. Jolie petite fleur comme ça. Une plus petite, trop mignon. Voilà, une jolie dentelle blanche. Et une autre dentelle blanche, beaucoup plus large, très très fine. Très fine par contre, c'est très joli avec de jolies fleurs. Donc voilà, donc Joël m'a fait un flipbook plutôt floral. Voilà, floral, bah floral quoi. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'animaux, très nature quoi. Donc moi j'aime beaucoup la nature, donc c'est parfait. Je te remercie beaucoup Joël pour ton joli envoi, ça m'a fait plaisir. Je crois que c'est la première fois qu'on partage quelque chose toutes les deux. Et donc, restez avec moi puisque je vais vous faire voir ce que moi, j'ai envoyé à Joël. À moi de vous montrer maintenant ce que j'ai envoyé à Joël. Donc tout d'abord, la petite carte avec une petite illustration de souris qui est dans son pot à crayon que j'avais acheté sur Etsy à un moment donné. Et puis donc, du coup, dans cette collection, il y avait le petit Hello que j'ai trouvé sympa à mettre avec la petite couronne. Voilà, deux, trois babioles. Du tissu, etc. Je trouve ça trop choupi. Voilà. Ensuite, donc, voilà ma création. Donc, je vous rappelle le thème. C'était un flipbook décalé avec des enveloppes ou des bagues, vous savez, des petits sachets en craft ou blanc, hein, d'ailleurs. Hein, c'était pas obligatoire en craft. Hein. Et puis, des enveloppes, voilà, des contenants pour mettre des bricoles à l'intérieur. Et ces contenants, il fallait donc les décorer avec plein de matériaux, plein de restes, plein de ce que l'on nous offre et que l'on met de côté parce que bah, on se dit bah, je le ferai plus tard. Donc là, c'était l'occasion vraiment de pouvoir marier tout ça et faire un joli flipbook. Donc, comme je vous disais, voilà le mien avec du tissu, du papier, des stickers, des dice cuts collés, des images que l'on m'a offert, voyez, des tamponnages, etc. À l'intérieur de la première pochette que vous allez voir le verso après. Donc du coup, j'y mets un dice Happy Birthday qu'on a eu chez Action et de l'autre côté, un autre dice nœud où elle pourra faire donc une carte ou quelque chose comme ça. Je l'avais eu, mais je m'en sers pas, donc je lui offre. Ensuite, du coup, on ouvre le petit livre. Donc, j'ai fait des anneaux hein, avec des petits, comme vous avez pu voir, hein, avec des petits morceaux de fanfreluche et de perles. Voilà, j'avais envie de ça. Donc là, toujours sur le départ, les vacances, le van qui va bien avec
le paddle, les tongs, voilà, donc capot. Et voilà, les petites boules aussi des années 80 à reflets, voilà, du... J'aime beaucoup, voilà. Vous savez, hein, j'adore ce style. Et puis donc, j'ai ancré des arcs-en-ciel à l'arrière. Ensuite, la deuxième... Le deuxième... Donc là, c'était une enveloppe. Là, c'est un petit sachet. Du coup, là, j'y ai mis plutôt du Art by Marlène, hein, du coup, que l'on m'a offert aussi. Hein, et puis du papier que l'on m'avait offert aussi. Et j'y ai mis des petites phrases que j'ai eues dans la boîte Scrap Didi. Mon idée du bonheur, partir à l'aventure magique. Donc, on part toujours quelque part avec les palmiers, la lune, la petite fille aux gros yeux. Et un petit diadème qui brille de mille feux. Et à l'intérieur donc de cette page, j'y ai mis une petite enveloppe comme ça, où à l'intérieur j'avais fait un tuto là-dessus, un rappel de ce qu'il y avait devant. Et donc à l'intérieur j'y ai mis plein de petits die cuts printaniers, vélo, des bocaux, des trucs très pour être dehors, quoi, instant inoubliable. C'est en français, c'était une collection que j'avais eue chez Cultura. Voilà, ça c'était sa deuxième, son deuxième cadeau. Donc en tout, il y en a quatre. Hein. Ensuite, là, du coup, c'est le pique-nique, hein, parce qu'il faut quand même se restaurer un peu. Donc sortir son plus beau plaid pour pique-niquer à même le sol avec un autocollant de chez Action sur une planche de chez Action, un sticker. Ça, c'était, on me l'a offert, ce ruban-là. Voilà, ça, c'est des papiers de chez Stampin' Up. Et du coup, la petite fille Art by Marlène qui va bien. Ensuite, j'ai joué sur quelque chose de plus kiki, quoi, de plus mignon. Donc là, c'est un petit lapin de chez Cannelle et Citron. J'ai juste fait des rappels de couleurs avec des tissus et des rubans avec écrit mignonne et j'y ai mis quelques tamponnages. À l'intérieur de cette petite page, donc on retrouve une découpe de chez Cannelle et Citron. Donc ça, c'est des découpes qu'on m'offre. Hein. Et là, j'y ai mis un petit ruban. Et à l'intérieur, donc toujours en doublé. J'y mets plein de tamponnages petite fille. Hein. Donc il y a des polka doodle et des magnolias et d'autres d'ailleurs. Il y a un petit mouton. Voilà. Il y a plein de portraits. Elle va pouvoir s'amuser, les colorier et les découper si elle le souhaite. Voilà, donc dans la troisième enveloppe, je remets. À l'arrière, donc j'y mets encore un petit lapineau. Hein. Du coup, qui est dans une forêt enchantée avec des... Donc ça, c'est un papier de chez Polka Doodle. Et j'y mets un petit fan aussi de chez Cannelle et Citron. C'est vraiment la page de ça avec un petit mot, joli moment de la boîte de Scrap Didi. Donc là, c'est plutôt lecture cool dans les bois, pays enchanté, quoi. Voilà. Et enfin, donc ma dernière page, donc celle-ci, je l'avais fait voir au groupe pour l'essai de, pour leur faire voir ce que je voulais en fait comme création. Donc je leur avais fait voir ce côté d'enveloppe. Donc où j'avais mis, voilà, hein, du washi, du tissu, du papier, des die cuts, des petits trucs que j'avais fait, des tampons qui étaient par-ci, par-là, des petits autocollants qu'on m'a offerts. Un petit tampon de Carabelle Studio, pareil, tout ça on m'a offert, tous ces rubans, et puis le tamponnage avec des petites gouttes. Et dans celui-ci, du coup, j'offre à Joël ce joli tampon renard qui est très mignon, qu'elle pourra utiliser à souhait. C'est un tampon superposable. Voilà. Donc pareil, hein, toujours pareil avec une petite tirette. Hein. Et enfin, donc sur la dernière page, pour finir notre petit voyage, hein, donc du coup j'y ai fait un petit truc sympa. Pareil, ça fait un peu conte en fait, magique. Donc j'ai juste magique comme titre, avec la petite grenouille. Et là, il y a une petite pochette où elle pourra récupérer deux petits thés. Voilà. Que j'ai cousu. La petite pochette, vous pouvez voir que je l'ai cousue à la main grossièrement.
Je trouve que c'est mignon et ça fait chouette, quoi. Et là, pareil, un petit autocollant en dessous. Voilà, donc ça, c'est vraiment les créations que j'aime énormément. Voilà, le mariage de tout, de rien, avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on nous offre. Voilà, on prend deux, trois bricoles et on fait une jolie page avec des tamponnages, des fonds ou pas que. On peut récupérer plein de papiers déchirés. Voilà. Je trouve ça chouette. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.